Salut les fixes, c'est Julie Zenati. Je suis chez moi, tout de suite maintenant dans mon salon. Alors je vais vous faire voir. Donc hop, un petit peu du salon, un peu du salon, une enfant, hop, hop. Et donc voilà, je vous repose. Avec deux enfants, c'est dans la cuisine. On fait beaucoup à manger. Et puis ça fait aussi passer le temps, c'est rigolo. Voilà, la cuisine. Ouais. On est plutôt sur du sweat à capuche, du jogging, des grosses chaussettes, voire même des chaussettes plus la grosse pantoufle, les cheveux comme ça, et du matin jusqu'au soir et re le lendemain. Non, c'est moche. Les devoirs des enfants, de ma fille, entre autres, qui a 9 ans, ça peut être un peu galère. On n'est pas toujours d'accord. Elle me prend très souvent pour une blonde, mais maintenant, je connais mes tables de multiplication par cœur. Non, franchement, ça va. On a des super maîtresses qui nous envoient des super tutos avec des vidéos et tout. On est au taquet. Petit album d'Aloïse Sauvage, très sympa à écouter, à l'horizontale, en verticale, dans la cuisine, voilà, très sympa. À l'horizontale, je te propose qu'on à l'horizontale. La méthode Kominsky aussi, super série que mon mari m'a fait découvrir. Et d'ailleurs, j'ai hâte que la nuit tombe pour pouvoir ensuite coucher donc, cet enfant qui hurle et regarder cette série. On est sur une playlist plutôt de 9 ans. Donc on est vraiment sur une playlist animale en ce moment. Donc les crocodiles, l'araignée, la coccinelle. Coccinelle, demoiselle, bête, bon Dieu. Je fais maîtresse le matin avec ma fille. Je fais pas mal de petites voitures avec petits garçons. Mais là, c'est vrai qu'on s'empâte un peu. Notre sport, quand même, c'est on monte et on descend les escaliers. Hein, parce qu'il faut pas dire. Et on monte et on descend du linge. Donc, on fait les bras aussi en même temps. Entre tout ça, je continue à faire de la musique. Puisqu'en fait, je suis en train de terminer l'album en même temps. Les musiciens sont chacun de leur côté à faire les basses, les guitares et tout ça, tout ça. Et puis, de l'autre côté, on est en train de préparer le livret. Voilà. Et cet album, il verra le jour, non pas au printemps. Parce que c'est printemps confiné. Mais à la rentrée, en même temps que le départ en tournée, parce que le spectacle était prêt, voilà. L'album va s'appeler Refaire danser les fleurs, et effectivement, aussi bien dans l'image qu'on a pu faire que dans la couleur de la musique, cette patte 80, fin 70, elle est effectivement très présente, et ces couleurs d'enfance qui ont bercé toutes mes oreilles, de France Gall à Berger, ces chansons en même temps qui font du bien et en même temps qui racontent des choses, voilà, ça va être la couleur de cet album-là. C'est ce qui nous tient debout, qui fait tourner la roue. C'est plus pop, peut-être une chanson d'actualité de par son texte, mettre un peu de baume au cœur. Et puis toutes ces infos que l'on pleure, ouais, évidemment, on vit une période assez improbable, assez irréel, et voilà, il faut qu'on dise merci à tous les soignants, à tous les gens qui nous facilitent la vie au quotidien, parce que nous, la seule chose qu'on nous demande de faire, c'est de rester chez nous, et d'ailleurs, j'en profite, je le place, on reste à la maison, c'est la seule activité qu'on ait à faire pour rester en vie, donc pensons à tous ces gens qui, tous les matins, vous côtoyez la maladie de manière très proche, voilà. J'irai boire un café seule à une terrasse en appelant mes copines et ensuite en passant déjeuner au bureau de mes parents. Ouais. Et j'irai me faire épiler aussi. Pour le printemps qui est là, refaisons danser les fleurs. Refaire danser les fleurs, je viens, pour moi quelques heures, se faire du bien, toujours la même. Couleur. Salut les fixes.